Et comme avec Maggie, là, n'oubliez pas les paroles. Willy, je sais que tu es un grand sportif, alors je t'amène aujourd'hui à Palavas, à l'Agora Sport Concept, et j'ai rencontré Aurore, qui Aurore est la marraine. Oui, je suis la marraine cette année, et je l'étais aussi l'année dernière avec Victorino Hilton, qui aujourd'hui n'a pas pu venir, mais qui est parrain de l'Agora Sport Concept aussi. Alors pourquoi tu es la marraine? Parce que j'ai rencontré Christophe il y a 2 ans. Il est devenu mon coach sportif, il m'a entraînée pour les différentes aventures auxquelles j'ai participé, Miss France puis Miss Monde, et il m'a proposé d'être la marraine de son projet. Donc c'est un bon coach. C'est un très 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 bon coach. Et alors là, tu sais en quoi ça consiste l'événement ? Oui, alors ce soir on est là pour l'inauguration, donc il y a déjà des cours qui sont proposés, mais sinon tout l'été il y aura des cours qui vous seront proposés gratuitement et avec différents coachs, avec différentes séances aussi. Et voilà, c'est le partage, c'est du bonheur, c'est de la bonne ambiance aussi. Et toi, tu es une grande sportive ? Oui, j'ai appris à l'être beaucoup avec Christophe et je fais de l'aquabike aussi, j'essaye d'aller courir quand je peux. J'aime bien me faire du sport. Donc c'est quand même par passion, c'est pas par obligation pour tes différentes aventures? Non, c'est plutôt par passion et c'est vrai qu'une fois qu'on met le pied dedans, c'est, après on peut plus s'en passer, on fait du sport. Oui, ça devient vite une drogue. Christophe, ça y est, c'est parti, l'Agora Sport Concept. Oui, pour la 4e année sur Palavas. Donc 2 années où on a fait un petit peu des essais. Et puis là, la 2e année avec une vraie structure où on a fait l'été dernier plus de 4634 passages, ce qui représente plus de 60 personnes par jour qui sont venues faire du sport. Et tout cela gratuitement grâce à la mairie de Palavas. C'est une chance qu'ont les Palavasiennes de pouvoir venir se dépenser sans protocole d'inscription ni de certificat médical. On a juste à venir et faire du sport. Il n'y a pas que les Palavasiens, tu dois avoir les touristes aussi. On a tout le bassin montpelliérain bien sûr qui vient, qui sont les bienvenus, qui viennent directement déjà de la ville de Montpellier. Et puis on a beaucoup de touristes à partir du 14 juillet qui viennent se greffer aux Palavasiens. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une grosse clientèle de Palavasiens. Ah, c'est pour ça qu'ils sont en forme, hein, on les voit tout le temps dans tous les événements en pleine forme, c'est sûrement pour ça. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a au programme ? Alors, le matin, on reste sur des activités qui sont assez souples, comme le yoga, le pilates, le wake-up, des séances qui permettent de réveiller le corps tranquillement. Et puis après, de 9h30 à 10h30, ce sont des cours de renforcement musculaire qui sont un petit peu plus soutenus. Le soir, on passe sur une autre activité qui est beaucoup plus cardio, c'est-à-dire qu'il va y avoir de la zumba, du cardio-boxing, mais aussi des total renfo musculaires, des bootcamps sur la plage. Voilà, on va dire que le matin, c'est de la gym douce, et l'après-midi, c'est beaucoup plus physique et athlétique. Alors, combien tu as de professeurs pour ça ? On est entre 5 et 6 professeurs. Voilà. On a voulu avoir une diversité au niveau des professeurs pour que tout le monde trouve un petit peu une affinité particulière avec les professeurs. Et surtout pour que les cours soient qualitatifs. Parce que plus on a des spécialistes dans leur domaine, plus les cours sont qualitatifs. D'accord. C'est quoi le secret pour être en pleine forme ? Le secret pour être en pleine forme, c'est avant le sport, c'est l'alimentation. Voilà. C'est notre carburant. Donc si on s'alimente mal, on ne peut pas bien fonctionner pour faire du sport. Donc tout passe par une alimentation. On ne va pas en parler aujourd'hui, vous le savez, des fruits, des légumes, du bio, une alimentation bien pensée. Et puis après, derrière, on va venir se dépenser et faire marcher le corps grâce à la transpiration, grâce au mouvement. Ça va permettre de vider un petit peu tous les déchets que vous pouvez avoir quand vous buvez un petit peu trop ou vous faites un petit peu trop la fête. Voilà. Ça n'arrive jamais. On arrive à faire la fête quand même assez souvent, hein, entre les férias, les régalades et tout ça. Ça c'est quelque chose de récurrent. Inspire. Inspire.